Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Une suite que vous attendiez sans doute avec impatience, puisque ça fait quelques semaines, je dirais même, que je n'ai pas pu vous tourner de vidéo et que donc vous n'avez pas pu en avoir. Et oui, il y a eu des petits aléas dans la vie et du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Avec un nouveau PC, donc j'espère qu'on n'aura plus les petits lags qu'on a pu avoir, notamment à Hawkesbury. Et on va tout de suite aller voir en jeu où on était rendu, parce que moi je me souviens pas. Du coup, on a Lily ici, et on peut seulement lui faire un câlin. Ok. Visiblement, on avait de la nourriture en cours, puisque la cuisine vient de piper. Et ce qui me rappelle d'ailleurs que j'avais regardé le wiki et vu que ce qui me manquait, c'était des recettes avec de la flamboyante. Recette que je me souviens absolument plus. On va regarder ce qu'on avait comme recette avec la flamboyante. Typiquement, on avait la. Pas celle-là. Flamboyant et lait, on a déjà fait. Flamboyante et farine de riz, on a déjà fait. Mais je me souviens qu'on avait quand même déjà pas mal expérimenté. Mais le wiki. Alors anglais pour la. De fait, me disait que c'était. Des choses avec de la flamboyante, hein. J'ai pas retenu tout exactement. Voilà, comme des bonbons contre la toux. La flamboyante est là. Flamboyante avec la patate, on a déjà fait. Flamboyante avec la colle? On n'a pas fait ça peut-être? On essaiera peut-être d'en avoir de la flamboyante pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas, on va regarder nos quêtes. Donc, acheter le plan pour la chambre de Buck à Edgebourg Lane. Ok. Rencontrer Lily au sanctuaire de Furogama pendant la nuit. On a Elena qui nous a donné deux défis. Affronter le dragon d'or en moins de 7 minutes. On a déjà essayé et on a échoué. Et attraper plus d'un tiers de tous les rayons pulsars meurtriers. Ok. Il faut aller à Overbrook et questionner Jackie à propos de quelqu'un perdu et amener Beverly au seuil éternel. Ok. Niveau amélioration, qu'est-ce que j'ai suivi dans mon journal? Parce qu'il est possible que j'ai oublié de suivre des choses. Hein. Ici, de la feuille d'or rose et de la potion d'expérience. On ne sait toujours pas comment faire la potion d'expérience. De la flamboyante. De la flamboyante et de la potion d'expérience. Et ici, de la potion d'expérience. Ok. Niveau jardin, il y a des choses qui nous appellent. Ok. On va regarder du coup si on a oublié de donner des choses. Mais on a une forge, on a un cellier, donc là c'est pas mal. On a deux maisons qui nous manquent parce qu'il y aurait visiblement deux personnes qu'on n'a pas. Donc de ce niveau-là, on est pas mal. Niveau amélioration. Ici, chez Elena, on a tout amélioré même qu'elle n'était pas contente. On a qui du coup? Qui est-ce qu'on a?
poulailler, on a amélioré. Le corral à la mouton, on n'a pas la recette. La stalle à vache, il faut de la potion d'expérience. Le verger, c'est bon, ça c'est construit. Enfin, le verger, il faut le plan. La fonderie, c'est construit. Le moulin à vent, il nous faut le plan. Mais qui est-ce qu'on a niveau personne? Niveau esprit, parce que du coup, on a Elena, on a rempli son cubicule. Et on a l'autre. Ah ben voilà, j'ai gâché, voilà. On a Buck. Ok, il doit pas, oui, il faut qu'on le trouve son plan. Ici, il n'y a rien. Rien que j'ai, en tout cas. Avec le poulet, je croyais l'avoir déjà fait. Ouais, on va réessayer, hein. Je trouve parfois. Et on va regarder où on est sur la carte. Pour savoir un peu ce qu'on peut faire. On est ici, donc à côté d'Albert, où on n'a absolument rien pour y aller. Et on devait vouloir aller je ne sais pas où. Parce qu'on avait été au Dragon d'Or. On pourrait essayer d'aller à Overbrook, c'est un peu loin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'Olga? C'est pas dit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Boncompte et compagnie avec le charbon qui a repopé. Les quêtes Southbound où il y a plein de choses. Hawksbury où il manque un coffre rare. On pourrait essayer d'explorer cette zone pendant qu'on y est, ou tout simplement aller jusqu'au seuil éternel en ligne droite sans se poser de questions. Il faut qu'on aille à Edgebourg Lane. C'est où cette chose, Edgebourg Lane? Je dirais par là. Faut remonter. Mingberg, Nordfire, Lohnberg, Nordsee, où il y a des choses qu'on n'a pas fait. Et là, il y a Suzanne, des choses à faire. Les mines, la villa, Furukawa, Okeshai, Grikashima. Ah oui, on a des fraises à aller chercher. Crow's End, forêt sombre. Je pensais que c'était de ce côté-là. Et c'est pas de ce côté-là. Edgebourg Lane. Sandwich Walk. Flotsam. Sunspring. Edgebourg Lane. Ok. C'est jusqu'à là. Ce qui fait un petit peu loin. Après, on peut y aller en bus, hein. On va peut-être d'ailleurs faire ça, prendre le bus et amener Beverly, tout simplement. Et du coup, ça c'était une recette qu'on avait déjà. Du coup, il y avait peut-être que cette recette avec de la. Des bonbons, hein, avec de la flamboyante. Fera peut-être que je retourne voir le wiki pour les quelques recettes qui nous manquent. Il nous en manque vraiment pas beaucoup, hein. Ce serait dommage de louper ça. On va sonner la cloche puisqu'il est l'heure.
On va récolter un peu, même si on est pas du tout en déj de ressources. On a tout ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut plutôt là, c'est des recettes, hein, savoir comment on crée cette potion d'expérience. On se doute bien que ça va venir en aidant les gens, hein, tout simplement. Faire un petit peu de café. C'est pareil, je sais pas du tout ce qu'Elena aime manger. Sachant qu'elle est pas du tout contente parce que on a amélioré sa maison, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ici, Beverly a faim. On sait que Beverly, elle aime les aliments exotiques et les aliments à l'ancienne. Donc je peux lui donner du tataki de thon, ça on en a. Le latté, elle n'aime pas les stimulants. Bien sûr, je vais pas lui donner un repas douteux, hein, bien évidemment. Les chilaquiles, ce sont exotiques. En fait, oui, les chilaquiles, ça devrait être pas mal, effectivement. Allons-y pour les chilaquiles. Et comme c'est Beverly, on peut lui faire un câlin, sans souci. Voilà. Donc on va descendre, hein, parce qu'on entend notre ami Alex qui nous attend. J'en profite pour ramasser un petit peu. Est-ce que j'aurai une graine étrange à planter? Tout à fait. Parce que les graines étranges, elles me donnent de l'argent. Ce serait dommage de s'en priver. Et du coup, on a dit, ce qu'on va faire, c'est dire au revoir à Beverly. Tout simplement. Mais il est tout mec ce mouton. J'ai dû le tondre. Et pas les autres, tout simplement. Va finir de faire un tour sur notre bateau pour voir un peu ce qu'on a. Donc on a Elena qui est ici. Alors, on sait toujours pas ce qu'elle aime, à part la salade verte. Ok, bon bah on va peut-être lui donner une salade. Elle a besoin d'un repas. On va peut-être lui donner une salade verte. Je n'ai pas de salade verte. Si, j'ai une salade verte comme ça. Ok. Aurait-on une chance qu'elle aime de manière globale les salades? Et je. Genre si je lui donne une salade de champignons. Pas spécialement. Et on sait que c'est Elena, donc on lui fait pas de câlin. Sinon, elle va pas être contente. Bon bah du coup on est arrivé. On est arrivé à destination. Je ne me laisse plus rien faire, bien évidemment. D'ailleurs, ce que j'ai pas regardé, c'est au niveau des broutilles. Hawksbury avec les Dice Boys et cueillir des fraises. Donc, Barry veut des fraises. J'avais pas vu que Beverly nous appelait, tout simplement. Où es-tu, Beverly? Stella! Te souviens-tu? Te rappelles-tu ces fleurs? Je ne peux pas. Je pense que c'est l'heure. C'est le moment pour moi de l'admettre. Je ne peux plus continuer plus longtemps. Tu sais où on doit aller, hein, voisine? Merci.
Du coup, on peut plus interagir avec quoi que ce soit. On va attendre qu'elle arrive, tranquillement. Même si elle a des toutes petites papattes. Voilà. Elle arrive en sautillant. On y va. Je sais. Je m'en rappelle. Et toi? Le quartier? Nous étions là, et avec les fleurs. Nous étions là, dans ce bâtiment, presque la porte d'à côté, toi et moi, nous étions voisines. Tu as toujours été, toujours là pour moi, Stella. Au revoir, mon poussin. Mais Beverly est partie et nous laisse une jolie étoile en forme d'oiseau, de chouette. Et on sentait bien qu'elle commençait à avoir du mal à trouver les mots, à parler. Ce qui n'est pas toujours facile, effectivement. Je pense qu'elle va nous laisser une petite fleur d'esprit comme les autres. Chez elle, c'était... De quel côté? C'était juste là. Voilà. J'arrivais pas à voir la fleur. Un petit coquelicot pour notre amie Beverly. Je peux pas interagir ici. Ça doit être le moment, tout simplement. Du coup, on va pouvoir
Eh ben, faire la suite. Donc on va, je pense, reprendre le bus. Ce serait bien d'explorer un peu par là, mais on verra éventuellement plus tard. On va essayer de contenter les deux esprits qui nous restent. Je me pose la question et ça y est, les poules, je les ai entendues faire cote-cote et j'ai vu la petite notification, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir des œufs. On n'en a pas spécialement besoin, mais ça fait toujours plaisir. Tranquillement. Donc ça y est, on arrive. Ah, Alex. Je ferais bien les Dice Boy à Hawksbury. Je l'avais un peu évité justement parce que j'avais mon PC qui souffrait un peu. Et mais maintenant que j'ai changé de PC, on peut peut-être se permettre de faire les Dice Boy à Hawksbury. Hawksbury qui est par là. Humbertown. Au Central District. Hawksbury. En plus, on a depuis gagné la compétence de l'élan, qui va peut-être nous permettre de récupérer le dernier coffre qui nous manque sur cette zone. Même si l'objectif de ce let's play n'est pas de tout collecter, mais on aimerait quand même bien essayer d'avoir les plans qui nous manquent. Il nous manque celui du verger et celui... J'ai déjà oublié quel autre plan il nous manquait. Et d'ailleurs, si on veut construire des feuilles d'or, il nous faudra des lingots de cuivre. Ok. On doit pouvoir en faire des lingots de cuivre, je pense. Ouais, il me reste pas mal. Je vais tranquillement faire ça. Le temps qu'on arrive, même si j'ai l'impression qu'on est déjà arrivé, puis qu'on a boosté notre bateau, on va quand même beaucoup plus vite. Ce qui est à la fois bien et à la fois un petit peu dommage, parce que j'ai moins le temps de faire les petits mini-jeux justement pour ramasser des ressources pendant qu'on se balade. Voilà, on a plein de lingots de cuivre. On pourra faire. Eh bien, des feuilles d'or. Je trouvais plus le mot. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, ici il en faudrait 5, j'en ai pas 5, j'ai plein de canne à sucre, mais... Oui, ça pourrait être de la canne à sucre. J'ai plein de laitue, allez, on va mettre de la laitue. Et ici, on va récupérer les graines, la farine plutôt. Comment on est là? On est vide. Et on commence à être bien vide. D'ailleurs, j'ai pas nourri Buck. Je suis désolée, Buck. Je ne t'ai pas nourri. Donc les Dice Bugs étaient quelque part par... Ici, c'est notre ville! Et on a celui-là qui dit merci! Tu as bien fait ça! Tu as passé le mot à propos de notre album! Ça me surprendrait pas qu'on devienne des superstars de la musique! Dice Boy! On n'avait pas vraiment besoin d'aide! On était déjà balèze! Mais bon, c'est cool d'avoir une vraie fan! Balançant notre album dans la rue! Merci encore!
Donc la quête qui nous apporte pas grand-chose, hein. Hé, toi! On est Dice Boy! N'oubliez pas ce nom! N'a pas eu de grosses récompenses, hein. C'est pas très grave, hein. C'est vrai que du coup, on peut faire plus de choses. Je pense que toujours là. Salut, Amy! Pas monter plus. Donc c'est vraiment ça l'info. Hop. Le précédent. Que je peux monter, je peux monter là. Ici, on a déjà pris le coffre. Donc, le coffre est pas sur cet immeuble. Ah, il est sur celui-là. Raté. Pas forcément facile de. Parfait. J'y étais, j'y étais. Hop, on va sur celui-là. On va sur celui-là. Et c'est celui-là qui nous manquait. Une grosse bouteille de lueur et une recette qu'on avait visiblement déjà. Ah, tant pis. Ouf, ça fait une grosse chute. Ouais, on va aller voir Théodore. Bonjour Théodore, je veux vendre, je veux acheter, je veux vendre. On va voir, est-ce qu'on peut lui vendre notre nourriture dégueu qu'on a ratée? Tout à fait. Je te vends 3 repas douteux à 10 pièces chacun. Et je t'achète. Qu'as-tu pour moi? De la viande, porc, poulet, bœuf. Est-ce que j'ai du bœuf? J'ai. Il me reste du bœuf. Donc j'ai, il me reste du porc, il me reste du poulet, il me reste du bœuf. Sur ce coup-là, on est bon. Et des œufs, bah j'ai des poules, donc il n'y a pas de souci. Des graines de mûre, on en a. Des graines de blé, des graines de pommes de terre, on en a. Donc, eh bien, je pense qu'on n'a plus rien à faire à Hawksbury. Voilà. Et en plus, on peut. S'en aller comme ça. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, on a dit que Edgebourg Lane, c'était pas si loin. C'est là. Et ici, il y a de la flamboyante. Donc moi, j'ai bien envie de faire ça comme ça. Voire peut-être même aller là. Mon avis, là, il y a des choses que j'aime pas, hein, qui s'appellent de la pêche. Mais c'est toujours utile. Je pourrais complètement m'arrêter de planter des trucs, hein. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit que il n'appréciait pas forcément les petits mini-jeux. Oui, j'avais pas l'icône, elle est tout en haut. Raté. Oui, je veux lancer l'événement. On en profite, hein.
On n'est pas là pour ça, mais... Moi j'aime bien en fait. Je sais, je peux comprendre hein, que... à regarder, c'est pas forcément le mieux pour vous. Mais c'est vrai que ça me fait aussi des ressources. Si là, je suis pas sûr d'en manquer de la roche de comète. Puis en plus, comme je parle en même temps, je suis pas super attentif à tout ce qui se passe. Voilà, un petit peu de sous, un petit peu de lueur, pof. Compliqué, hop. On doit pas être loin de la fin de les ventes. Voilà, c'est ça. On est le matin, on va aller sonner la cloche et on va essayer de trouver Buck pour le nourrir. Elena a faim. En fait non, elle n'a même pas faim. Parce que son indicateur... Oui, toi par contre, t'as super faim. Alors... C'est pas du tout, et ta famille a besoin d'une maison. Ah bah oui, je suis désolée, mon gars. Mes plus sincères excuses, puisque je te harcèle avec de telles exigences mondaines, commandante, mais ton humble serviteur sent qu'il a besoin de subsistance. J'accepterai avec joie même le plus petit résultat de tes compétences magnifiques en cuisine. N'importe quoi, vraiment. Et je vais sauter dans l'eau tout de suite, d'abord faire les ventes, et revenir ensuite chercher Buck. On va tester un peu ce qu'il aime pas. Mais profiter quand même pour ramasser des petites choses. Ça m'a l'air d'être tout. Allons chercher Buck. On l'a vu remonter. Où est-il? Je vais laisser des caisses. C'est pas grave. Mais j'ai remonté ce bateau. Je cherche Buck. Je trouve même plus ma maison d'invité. Elle est où ma maison d'invité? C'est pas ma maison d'invité, ça. Ça non plus. Ça, c'est chez Elena. Ah, elle est tout en haut là. Je la voyais plus. Voilà. Donc, mon cher Buck, on va essayer de trouver ce que tu aimes. Je peux te proposer. Je te proposerais bien du yaourt. Il ne peut pas accepter ma généreuse offre. Lactogrowth et nos gobelins m'ont maudit en creusant mon chemin par jalousie. Lactogrowth, ça doit être pour le lactose, mais nos gobelins. Une terrible intolérance au lactose de niveau 3. Oui, c'est un rituel de conjuration. Je ne parlais pas de ce qui arrive lorsque j'ingère même la plus petite quantité de produits laitiers. Et bah, au moins, du coup, on sait qu'il n'aime pas les produits laitiers. On avance, on avance. Du coup, je tenterai bien ça.
La bouillabaisse. Mes humbles remerciements, commandante. Cette subsistance arrive juste à temps. Ma faim atteignait le niveau 1. Ok, donc pas plus content que ça de notre bouillabaisse. J'avais grand besoin d'un esprit guérisseur. Mon mana était bas. Et on va s'arrêter sur cette petite phrase. Notre mana était bas. Puisque l'épisode est bien assez long. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de retrouver votre spirit fareur. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!